Après l'expédition fructueuse qui a porté le Cameroun au sommet, voici les champions du monde en titre de bodybuilding, reçus avec honneur par le patron des sports. Gendarme-major Anoro, vice-capitaine de l'équipe nationale. Le président de la République a été dûment informé de vos exploits et surtout de ce que vous avez été sacré champion du monde de bodybuilding. Nous vous en remercions parce que vous avez fait retentir l'hymne national du Cameroun au Mexique plusieurs fois. La réception de ce 13 décembre 2023 au ministère des Sports à Yaoundé galvanise les champions de la musculature revenus de Santiago de Querétaro au Mexique avec 15 médailles dont 8 en or, 4 en argent et 3 en bronze. Ça m'encourage à mes amis à travailler davantage, à être encore plus, à me donner au travail plus que présentement. Je sors de là très satisfait, comme un enfant qui a eu des échanges avec son papa. Nous savons maintenant ce qui pèse sur nous et ce que nous devons faire. Avec plus de 76 médailles glanées à l'international en 7 ans, la Fédération camerounaise de bodybuilding est la plus fructueuse et la plus productive du pays. D'où les convoitises avec des athlètes non enregistrés qui usurpent du nom de la fédération pour participer à d'autres compétitions. Attention. On va profiter de ça pour dire aux imposteurs, certaines organisations, quand on a rejeté une lettre, ils se préparent à récupérer la lettre, de se réglementer. Parce qu'il y a un seul ministère des Sports, il y a une seule fédération camerounaise de bodybuilding et on reste en puissance. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique se veut rassurant. La FECABULT doit poursuivre ses projets contre vents et marées. Nous avons été reçus par le ministre qui nous a exhortés à plus de travail, à plus d'abnégation et à plus de retenue dans certaines actions. Et nous sommes contents aujourd'hui de cette réception. Les grands chantiers sont le complexe sportif, sont le fait que nous puissions assister à plus de compétitions et que les athlètes puissent être gratifiés à la hauteur de leur mérite. Le Cameroun pourrait accueillir d'ici 2026 le championnat mondial de bodybuilding. Une discipline qui fait la fierté du pays sans tambour ni trompette. Des muscles à vendre, mais alors très chers. Merci.